Salut, bienvenue dans la vidéo sur les notations scientifiques. Dans cette vidéo, on va découvrir le concept de l'écriture scientifique et c'est un concept qui va nous être très utile dans n'importe quel type de science qu'on va faire. Alors, si tu veux faire de la biologie, que ce soit de la physique, peu importe, de la chimie, et donc quel que soit le type de science que tu feras, tu risques d'être confronté à des très grands nombres d'une part. Moi, je ne sais pas, un très grand nombre, par exemple, si on considère le nombre de cellules qu'il y a dans un corps humain, ce sera un très grand nombre. Et d'autre part, tu pourras être confronté à des très petits nombres. Très petits nombres, ce sera, par exemple, si je te demande la taille d'un atome, eh bien, ce sera un très petit nombre. Par exemple, commençons avec un exemple tout de suite, pour clarifier les choses. En chimie, on a ce qu'on appelle la constante d'Avogadro. La constante d'Avogadro, qu'on écrit comme ceci, Avogadro. Et la constante d'Avogadro, à quoi est-ce qu'elle est égale? Elle est égale à 6, 0, 22, et derrière 20 zéros. Alors je vais les écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors voilà, 6, 0, 22 et 20 zéros derrière. Donc il n'est inutile de dire qu'il est impossible de lire ce nombre comme ceci et que c'est vraiment, vraiment pas pratique d'avoir un nombre écrit comme ceci. Donc il va falloir trouver une meilleure façon d'écrire ces nombres. En l'occurrence, ici, on a un nombre très grand, mais ce sera la même chose avec un nombre très petit. Donc on va devoir trouver une meilleure façon, et cette meilleure façon, qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'écriture scientifique. L'écriture scientifique. Voilà. Donc peut-être tu ne me crois pas encore tout à fait, mais il y a vraiment une façon d'écrire ce nombre, ce type de nombre, de façon beaucoup plus claire et lisible. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Eh bien, je vais le rappeler, maintenant tu as déjà vu plein de vidéos sur les puissances de 10. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser comme rappel les puissances de 10. Alors, je vais faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'on a? À quoi est égal 10 puissance 0? 10 puissance 0, pour rappel, c'est égal à 1. J'ai un 1 et 0, 0 derrière. 10 puissance 1 maintenant. Ben, 10 puissance 1, c'est égal à un 1 suivi d'un 0. C'est 10 multiplié par lui-même une fois. 10 puissance 2, c'est égal à 10 fois 10, c'est à 1 avec 2 zéros derrière. Voilà, 10 puissance 3, juste pour être sûr, c'est un 1 avec 3 zéros derrière. 10 fois 10 fois 10, qui est égal à 1000. Et donc, dans les écritures scientifiques, on va utiliser les puissances de 10 pour pouvoir réécrire un tel nombre. Alors, je reviens 2 secondes. Peut-être tu te demandes qu'est-ce que c'est que la constante d'Avogadro, peut-être tu ne l'as pas encore vue. Juste pour information, c'est une constante qu'on utilise en chimie. La constante d'Avogadro nous donne le nombre d'atomes qu'on a dans 12 grammes de carbone 12. Donc le carbone 12, l'isotope du carbone 12, si on prend 12 grammes de carbone 12, eh bien on va avoir, alors la constante d'Avogadro, on l'écrit Na, eh bien si on a 12 grammes de carbone 12, eh bien on a Na atomes. Voilà. Donc ça, tu le reverras en chimie quand tu feras de la chimie, peut-être tu l'as déjà vu. La constante d'Avogadro, c'est le nombre d'atomes qu'on a dans 12 grammes de carbone 12. Mais je reviens tout de suite à mes puissances de 10. Donc on remarque qu'on a autant de zéros de notre puissance de 10 que nous l'indique l'exposant. Avec un 0 ici, on n'a pas de 0. Avec le 1, on a un 0. Le 2, on a 2 0. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai 10 puissance 100, bien 10 puissance 100, c'est égal à un 1 avec 1, 2, 3. Alors je ne vais pas les écrire, bien sûr, avec 100 0 derrière. Ici, là, j'ai 100 0. Alors, pour la petite histoire, 10 puissance 100, eh bien ce nombre, ça s'appelle un gogol, ou plus exactement en anglais, c'est un google. Ça s'écrit comme ceci.
Ce nombre-là, il a, c'est un nom, c'est Gogol. Et c'est un nom qui est absolument immense, qui est absolument, on peut même pas l'imaginer. Et pour te dire à quel point il est immense, si on considère le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers, c'est une estimation bien sûr, mais si on l'estimation qui est faite du nombre d'atomes dans tout l'univers connu, eh bien, elle est de à peu près 10 puissance 80 atomes. Et donc ce nombre-là, Google, il est 10 puissance 20 fois plus grand que le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers. Alors pour la petite histoire, Gogol, ça a été mal traduit et c'est devenu quelque chose que tu dois utiliser bien souvent. Eh bien, ça te fait penser à Google. Google, ça vient tout simplement du nombre Google, qui en fait c'est la même prononciation en anglais, et Google, ça veut dire, ça vient juste d'une erreur orthographique de ce nombre-là. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce nom, peut-être c'était l'ambition, peut-être ça montre un petit peu l'ambition, peut-être la prétention, mais surtout l'ambition qu'ils avaient derrière ce moteur de recherche, de faire un moteur de recherche qui détient toutes les informations, plus d'informations encore que dans tout l'univers. Bien alors, c'était juste peut-être qu'ils trouvaient ça cool, j'en sais rien. Donc, je me détourne un petit peu, je reviens à mon écriture scientifique. Donc, on peut déjà observer que on a écrit ce nombre, le Google. On l'a écrit donc 1 avec 100 zéros derrière. D'ailleurs, là, j'ai écrit 10, mais c'est 100. Le 1 avec 100 zéros derrière, eh bien, on l'a écrit beaucoup plus simplement comme une puissance de 10, comme étant 10 puissance 100. Eh bien, on va essayer de faire la même chose en fait avec n'importe quel nombre. Et on va commencer avec bien sûr notre constante d'Avogadro. On va la réécrire et on va essayer de voir si on ne peut pas utiliser une puissance de 10. Alors déjà, commençons. Combien on a de nombres après notre 6? On a vu qu'on avait 20 zéros. Je te l'ai dit tout à l'heure en l'écrivant, j'ai 20 zéros après le 2. Donc j'ai 20, 21, 22, 23. J'ai 23 chiffres après le 6. Donc, qu'est-ce que c'est 23 chiffres, par exemple, qu'est-ce qui se passe si j'ai 10 puissance 23? Eh bien, 10 puissance 23, c'est égal à 1 avec 1, 2, 3, etc. 23 zéros. D'accord? Eh bien, est-ce que je ne peux pas écrire ce nombre-là, 6, 0, 22, 0, 0, 0, comme un multiple de ça? Eh bien, bien sûr, je peux écrire. Qu'est-ce qui se passe si je multiplie ça par 6? Eh bien, si je fais 6, je vais prendre un peu d'espace. Si je fais 6 multiplié par 10 puissance 23, ça va être égal à 6 multiplié par 1. Donc, en fait, je vais pouvoir tout simplement coller le nombre de zéros de 10 puissance 23. Je vais avoir 6 et 1, 2, etc., 23 zéros. Bon, mais alors là, c'est pas tout à fait le même nombre. Là, j'ai 6 avec 23 zéros derrière, et là, j'ai 6 avec 0, 22 et 20 zéros derrière. Eh bien, qu'est-ce qu'il me suffit de faire? Eh bien, il me suffit tout simplement de prendre, au lieu de prendre 6, eh bien, je vais prendre un nombre décimal. Et qu'est-ce que je vais faire donc? Si je prends jusqu'au dernier nombre non nul à droite de mon 6, c'est le 2, le deuxième 2. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai, prenons par exemple 6,022. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais le multiplier par 10 puissance 23. Et là, je vais avoir ma constante d'Avogadro écrite en notation scientifique. Ici, j'ai une écriture scientifique de ce nombre-là. D'accord? J'ai 6,022. Et qu'est-ce qui se passe quand je le multiplie par 10 puissance 23? Je décale ma virgule de 23 crans vers la droite. Et si je décale ma virgule de 23 crans vers la droite, eh bien, je vais obtenir ce nombre-là. Je ne le fais pas, je te laisse le faire pour le vérifier et t'en convaincre. C'est important que tu le fasses et que tu puisses te convaincre toi-même que ce nombre-là et ce nombre-là, c'est exactement la même chose. 6,022 que tu multiplies par 10 puissance 23, tu obtiens 6,022 et 20 zéros derrière. Donc on va continuer tout de suite avec d'autres exemples pour être sûr qu'on a bien compris le concept avec des grands nombres, avec des petits nombres. Donc je vais prendre pour premier exemple le nombre, disons, 7345.
Alors 7345, si je veux l'écriture, alors 7345, si je veux l'écrire en écriture scientifique, 7000, j'ai 4 chiffres, 7000. Comment est-ce que déjà je peux représenter 1000 en puissance de 10? La première question que je dois me poser, c'est ça. Et donc 1000, c'est égal à 10 puissance 3. D'accord? 10 puissance 3. 10 puissance 3, c'est égal à 1 avec 3 zéros derrière, c'est égal à 1000. Donc déjà, je vois que si je multiplie 1000 par 7, par exemple, je vais avoir 7000. Donc déjà, 7 fois 10 puissance 3, je me rapproche un petit peu de la forme. Donc finalement, pour pouvoir tenir compte de tous les chiffres qui sont dans 7343, eh bien, je vais devoir placer la virgule quelque part, et la virgule où je vais la mettre, eh bien, je vais la mettre ici. D'accord? Je vais devoir prendre 7,345, et 7,345, si je le multiplie par 1000, je déplace la virgule de 3 rangs vers la droite, donc je fais 1, 2, 3, et 7,345 multiplié par 1000, c'est égal à 7345. Donc le résultat, c'est 7,345 multiplié par 10 puissance 3, et on a réécrit 7345 en puissance de 10. Donc on prend un autre exemple. Prenons 6. Bon, eh ben 6, il n'y a pas vraiment besoin de l'écrire en écriture scientifique. On n'en a pas besoin, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. 6, c'est égal à 6, mais c'est égal aussi à 6 fois. Alors, quelle puissance de 10 je vais multiplier à 6? Eh ben, est-ce que je peux réfléchir à une puissance de 10 qui vaut 1? Eh ben oui, 10 puissance 0, c'est égal à 1. Donc 6, c'est égal à 6 fois 10 puissance 0. Et donc là, ce serait l'écriture scientifique de 6. Alors bien sûr, on n'a pas besoin de l'écrire comme ça, puisqu'on comprend déjà très bien 6, mais si on veut écrire strictement donner la notation scientifique, eh bien la voilà. Maintenant, on va partir sur d'autres exemples et on va prendre des nombres pas négatifs, inférieurs à 0, donc tout petits. Prenons par exemple 0,000007. Bon. Et bien là, quel type de puissance de 10 il va falloir utiliser? Mais là, il va falloir aller vers les puissances de 10 négatives. Pour rappel, on repart de 10 puissance 0, on a 1. Maintenant, si on va dans les puissances négatives, 10 puissance moins 1, c'est égal à 1 sur 10, c'est égal à 0,1. 10 puissance moins 2, c'est égal à 1 sur 100, c'est égal à 0,01. J'en fais un dernier. 10 puissance moins 3, c'est égal à 1 sur 10 puissance 3, qui est égal à 0,001. Et donc finalement, tout à l'heure, on avait la puissance qui nous indiquait pour les puissances positives de 10, on avait la puissance qui nous indiquait le nombre de zéros derrière. Et bien ici, la puissance, par exemple 3, qu'est-ce qu'elle nous indique? Et bien elle nous indique le nombre de places qu'il y a derrière la virgule. Ici, j'ai 3, 10 puissance moins 3, ça fait 1, 2, 3. Il y a 3 rangs derrière la virgule. Avec 10 puissance moins 2, c'est la même chose. Donc, finalement, si je veux transformer mon 0,000007 en écriture scientifique, eh bien, d'abord, je vais devoir déplacer la virgule. Hein. Finalement, je vais vouloir un nombre. Je vais prendre 7. D'accord? Finalement, je veux un nombre entre 0 et 10, donc je vais prendre 7. Il va falloir que je réfléchisse à quelle puissance de 10 je vais le multiplier. Eh bien, tout simplement, regardons combien j'ai de places derrière la virgule. Ici, j'en ai une, deux, trois. Alors, on va écrire une, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, déjà, je sais que 10 puissance moins 6, c'est égal à 0,000001. Et si je multiplie ça par 7, eh bien, j'ai 0, multiplié par 7, c'est égal à 0,000007. Donc 0,000007
En écriture scientifique, ça donne 7 fois 10 puissance moins 6. D'accord? Je déplace la virgule de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 6 rangs vers la droite pour obtenir 7. Donc, je multiplie par 10 puissance moins 6 pour partir de 7 et pour déplacer la virgule 6 rangs vers la gauche. On va continuer tout de suite avec un autre exemple de nombre tout petit, mais cette fois-ci donc, qui est avec on continue tout de suite avec un autre exemple de nombre tout petit. On va prendre, mettons, 0,00056. Bien là, il ne s'agit pas simplement de regarder le nombre de chiffres qu'il y a derrière la virgule, d'accord? Puisque là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Mais si je prends, par exemple, encore une fois, 10 puissance moins 6, je vais avoir encore une fois 0,00001, mais pour pouvoir retourner sur mon nombre, il va falloir que je multiplie par 56. Mais moi, je ne veux pas, je veux un nombre compris entre 0 et 10. Donc, ici, je vais regarder le nombre de places qu'il y a entre ma virgule et le premier chiffre non nul. Donc, en l'occurrence, ici, 5. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 nombres pour arriver au 5. Donc, pour arriver à 5,6, il faut que je déplace ma virgule de 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, ça va me donner 5,6. Et 5,6, pour pouvoir retomber sur mon nombre initial, il faut que je multiplie par autant de rangs que j'ai obtenu pour arriver à 5,6. Et c'est 5. Donc, j'ai 10 puissance moins 5 en écriture scientifique. Le vérifier, tu peux le vérifier avec le calcul, tu prends 5,6, tu multiplies par 10 puissance moins 5, ça veut dire que tu déplaces la virgule vers la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, la virgule, tu rajoutes ton 0 ici, et tu as 1, 2, 3, 4, 0, et tu obtiens le résultat initial. Et on continue avec un autre exemple, on prend 0,00000008192. Donc ça, c'est vraiment un nombre tout petit. Et le regarder comme ça rapidement, on ne peut pas dire... il faut regarder vraiment attentivement pour pouvoir connaître le nombre de zéros à l'intérieur. Donc voilà un nombre pour lequel l'écriture scientifique se fait vraiment, vraiment ressentir. Et donc, on va compter le nombre de places qu'il y a après la virgule jusqu'au nombre au premier chiffre non nul, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 places après la virgule, donc ça veut dire que, en fait, je vais déplacer la virgule de 10 rangs pour pouvoir obtenir 8,192, d'accord? Et donc, pour pouvoir connaître la puissance de 10 par laquelle je dois multiplier 8,192, eh bien, elle correspond justement au nombre de déplacements de la virgule que j'ai fait vers la droite. Donc, 8,192 fois 10 puissance moins 10, puisque j'ai 10 rangs vers la droite. J'espère maintenant que tu te rends vraiment compte de l'utilité de l'écriture scientifique, mais l'écriture scientifique, elle est aussi puissante pour une autre chose. Par exemple, regardons si on a des multiplications. On va prendre une multiplication assez simple, mais assez représentative quand même. Donc 0,005 multiplié par 0,008, 0,008. Donc ça, on peut le faire assez facilement finalement. Mais regardons en écriture scientifique ce que ça donne. Alors 0,0005, bien c'est égal à, j'ai 1, 2, 3 places pour arriver au 5, donc j'ai 5 fois 10 puissance moins 3, et pour 0,0008, j'ai 1, 2, 3, 4 places derrière ma virgule, je vais donc multiplier par 8 fois 10 puissance moins 4, d'accord? Et donc ça, c'est une multiplication, donc peu importe l'ordre, donc si j'ai ça, mes deux nombres écrits en écriture scientifique, je peux regrouper les différents termes, puisque c'est une multiplication, donc 5 fois 8,
peux le regrouper, multiplié par 10 puissance moins 3, multiplié par 10 puissance moins 4. Et donc ça, c'est égal à 5 fois 8, ça vaut 40, multiplié par, et là, je dois utiliser mes propriétés des exposants, tu t'en souviens, donc j'ai 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 4, c'est égal à 10 puissance moins 3 plus moins 4, donc moins 4, donc c'est égal à 40 multiplié par 10 puissance moins 3 moins 4, ça vaut moins 7. Et donc maintenant reprenons un exemple avec le nombre d'Avogadro. Par exemple, j'ai 6,022 multiplié par 10 puissance 23 multiplié par 7,23 fois 10 puissance moins 22. Bon, voilà, tout d'abord, heureusement que j'ai des écritures scientifiques ici, sinon j'aurais déjà besoin de beaucoup plus de place et beaucoup plus de temps pour écrire cette opération. Donc cette opération, j'ai des multiplications, donc je peux regrouper de la même façon qu'à l'exemple précédent. 6,022 multiplié par 7,23 multiplié par 10 puissance 23 multiplié par 10 puissance 22. Donc 6,022 fois 7,23, ça fait environ 6 fois 7, ça fait 6 fois 7, 42, 0,2, ça fait 12. Donc maintenant j'ai 43, c'est environ égal à 43 fois 10 puissance 23, on oublie le moins, fois 10 puissance moins 22. Donc ça fait 23 moins 22, ça fait 10 puissance 1. Donc ici, 10 puissance 1. Mais là, je tombe finalement sur un résultat, d'accord? On peut dire que c'est environ égal à 430, mais le résultat ici que j'obtiens n'est pas nécessairement une écriture scientifique. Ça, ce n'est pas une écriture scientifique. Pourquoi? Parce que 43 est plus grand que 10. Donc, si je voudrais réécrire ce nombre en écriture scientifique, il faudrait que je mette une virgule ici et que j'ajoute une puissance de 10 là. Donc, en écriture scientifique, ce nombre, 430, c'est égal à 4,3 fois 10 puissance 2. Donc voilà, j'espère que ça t'a servi et on va voir bien sûr dans d'autres vidéos, on va continuer les exemples pour être sûr que tout ça est bien clair et bien en place.